Coucou, c'est Dermatodrée. Je suis contente de vous retrouver pour vous annoncer aujourd'hui non pas une, mais deux nouvelles qui vont vous permettre de comprendre pourquoi j'ai dû faire une petite pause sur les vidéos YouTube ces derniers mois. Voilà, je suis un peu secouée à l'idée de l'annoncer publiquement. Pourquoi j'avais dû arrêter temporairement YouTube? C'est à cause d'un projet qui avait démarré il y a presque un an. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Certains de vous avaient deviné, certains m'ont demandé sans savoir que c'était déjà en préparation. Alors voilà, il est là, le livre anti-bouton. Il s'appelle « Faire la paix avec sa peau » et je l'écris pour que vous puissiez tout savoir sur l'acné, les points noirs, les cicatrices, toutes les réponses à vos questions sur les boutons, comment et pourquoi ils se forment, les facteurs favorisants sur lesquels on peut agir, les cosmétiques efficaces, les bonnes routines pour l'hygiène, et puis tous les médicaments disponibles, que ce soit les traitements locaux en crème, les traitements par voie orale, les pilules contraceptives, les innovations à venir, et bien sûr tout sur l'isotrétinoïne, le fameux médicament que vous connaissez sous le nom de Roaccutane. Est-ce que c'est le Graal anti-bouton ou est-ce que c'est au contraire un poison? Je vous explique toutes les modalités du traitement, les effets secondaires, pour que si vous avez une acné sévère, vous puissiez décider de ce que vous en pensez pour vous, parce que c'est ça qui compte au final, pas ce qui s'est passé pour la copine ou la cousine. Au cas où, je précise que ce livre a été écrit et publié en toute indépendance par rapport au laboratoire pharmaceutique et cosmétique. Je n'ai volontairement aucun sponsor parce que c'était important que le contenu ne soit pas associé à une publicité pour une marque ou un produit. Et puis on parle aussi du retentissement psychologique de l'acné, dans notre monde actuel où l'image est capitale avec l'impact des réseaux sociaux. Au final, c'est à la fois un livre hyper complet sur toutes les réponses à vos questions sur l'acné, pour les ados comme pour les adultes, et à la fois il est tout illustré et drôle pour pouvoir le lire avec plaisir et dédramatiser sur un sujet qui nous a presque tous causé des soucis. Le livre sort le 20 avril aux éditions Larousse, que je remercie du fond du cœur, parce que c'est eux qui sont venus me chercher depuis l'année dernière en fait. C'est vrai que je vous fais des petits secrets dans votre dos, mais j'avais pas le droit d'en parler pendant tout le temps de la préparation. Mon éditrice chez Larousse a été adorable. J'ai eu beaucoup de chance de collaborer avec elle, parce que vous imaginez peut-être le nombre de mails, d'heures au téléphone ensemble, alors il vaut mieux que ce soit quelqu'un de bien. C'était un projet très long à réaliser, parce qu'il a fallu écrire bien sûr, mais ça c'était pas le pire. Moi j'aime bien écrire. Après il y a eu des heures et des heures de relecture. J'ai également créé des illustrations qui ont été reprises ensuite par un dessinateur professionnel et elles sont juste trop belles. Grâce à lui, vous verrez qu'il y a un petit personnage rigolo qui vous suit tout au long du livre. Puis la graphiste a fait une mise en page qui est superbe. C'est vraiment un livre agréable à lire pour tous. Il s'adresse bien sûr aux personnes concernées par leurs boutons, mais pas que. Parce que l'acné, ça touche 80% des gens dans leur vie, c'est déjà énorme. Que ce soit à l'adolescence ou à l'âge adulte, parce que l'acné, c'est pas qu'un problème d'ado. C'est très très fréquent plus tard, surtout chez les femmes, et elles en souffrent beaucoup. J'ai tous les jours des messages sur Instagram de personnes qui viennent demander conseil pour leurs boutons, des gens qui m'envoient des photos alors qu'ils savent qu'il ne faut pas le faire, mais ils tentent quand même. Je sais la détresse que ça représente. Je ne vous disais pas par respect du secret médical, mais il y a pas mal de personnes connues médiatiquement aussi qui m'ont sollicité, c'était assez délicat. C'est pour ça que quand l'éditrice m'a demandé quel sujet je voulais traiter en priorité, celui qui était le plus important pour répondre à vos besoins, aux besoins des patients, c'était clair que c'était le sujet de l'acné, il fallait un vrai livre anti-bouton pour faire la paix avec sa peau. C'était sûr que je le sentais au fond de moi, ça faisait 10 ans que ça me manquait pour les consultations et 2 ans que moi je voyais la demande croissante sur les réseaux. Un livre qui soit ni trop rébarbatif, trop scientifique que personne lirait, ni au contraire trop superficiel avec juste des conseils bien-être écrits par quelqu'un qui aurait peut-être pas l'expérience de plusieurs années de consultation auprès des patients. Oui, parce qu'en fait j'ai 75 ans, la dermatologie ça conserve. Ou alors j'ai un bon filtre Instagram. Sinon c'est aussi un livre qui s'adresse aux parents qui veulent en savoir plus sur les causes de l'acné et les traitements disponibles pour leurs enfants. Et un livre qu'on peut offrir à ses proches qui souffrent de leur acné. Parce qu'en plus des solutions proposées, il y a plein de messages positifs pour faire la paix avec sa peau, comme son nom l'indique, pour se faire du bien. Puis ça concerne aussi toutes les personnes qui interviennent dans la prise en charge de l'acné, les médecins généralistes, les pharmaciens, les préparateurs, les infirmiers, les esthéticiennes, j'en oublie certainement, mais toutes les personnes qui s'intéressent à la peau, à la santé, aux cosmétiques. Et vous êtes déjà 300 000 quasiment sur tous mes réseaux sociaux, ça fait juste dingue de dire ça.
Ça me fait bizarre un peu de vous retrouver ici. J'aurais jamais cru écrire un livre et l'annoncer publiquement comme ça. Si on m'avait dit il y a 3 ans, quand je faisais encore uniquement de la consulte, je l'aurais pas cru. Remarque, si on m'avait dit il y a 3 ans qu'il allait y avoir une pandémie, des confinements, des masques, et puis peut-être la 3e guerre mondiale, j'aurais été surprise aussi. Donc finalement, un livre, c'est pas grand-chose. C'est vrai que la question revient souvent quand je rencontre des gens qui connaissent mon activité sur les réseaux sociaux. Ils me demandent un peu comment je jongle avec toutes ces casquettes. Les consultations, les contenus d'information que je réalise pour mes propres réseaux dermatodré, YouTube, Instagram, TikTok, ceux pour d'autres médias, comme chez Dr. Good par exemple, et puis la formation pour les professionnels de santé avec le DPC sur le dépistage des cancers cutanés. Et encore, ils ne savaient pas qu'il y avait la préparation du livre en même temps. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile, mais c'était tellement motivant que j'ai tout donné pour vous transmettre un maximum d'informations par tous les moyens possibles. Je crois qu'aujourd'hui, avec la difficulté que vous avez tous à prendre rendez-vous chez un dermato, pouvoir disposer d'une information médicale accessible librement sur son téléphone, son ordi, dans un livre, à toute heure, de chez soi, c'est un vrai apport pour la santé publique. Et vous savez sans doute pas que ce projet dermatodré, il a commencé fin 2019. Un ami à qui j'expliquais des notions sur la peau en mimant des trucs m'a dit « tu devrais trop faire des vidéos, ça marcherait trop bien, ça intéresserait tout le monde, c'est sûr qu'il y a vraiment un besoin ». Je lui ai dit mais non, j'ai déjà pas assez de temps, j'ai trop de boulot avec les consultes, j'y arriverai pas. Imagine, écrire, tourner, c'est colossal. Et encore, je savais pas ce que ça représentait réellement comme boulot. Il me dit non, mais tu peux faire ça petit à petit, juste 1 heure par jour. Autant vous dire qu'il m'a vendu du rêve, parce qu'en fait, je peux vous assurer que ça a été plutôt 7 heures par jour, en plus de mon boulot, 7 jours sur 7 depuis 2 ans. Et je recommande pas du tout cette recette pour la santé mentale. Bon, la graine, elle était en place dans ma tête. Je me suis dit c'est vrai qu'en fait, les patients viennent me voir pour des sujets fréquents, les verrues, l'acné, l'eczéma, et je leur répète toujours la même chose, mais une personne à la fois, 30 fois par jour, c'est un travail de fourmi. Ce serait beaucoup plus utile de faire une vidéo sympa, à la fois sérieuse, un peu drôle, qui serait vue quelques centaines de fois. Enfin ça, les centaines, c'est ce que je pensais au début, parce que maintenant, si on est sur des dizaines de milliers de fois, c'est juste dingue. Sachant que moi, je voulais pas apparaître en vidéo au départ, je préférais pas me mettre en avant, je préférais rester anonyme. Je me suis dit, je vais faire des schémas avec en voix off, mais je ne suis pas graphiste, donc c'était infaisable. Et puis d'autre part, la présence humaine, c'est quand même important. Donc au final, me voilà devant mon téléphone en train de me filmer et à la fois un peu chez vous. Et ça me touche de savoir que je peux vous aider même de loin. Bon, je ne remercierai jamais assez tous ceux qui êtes là en train de regarder cette vidéo, qui m'avaient motivée pour continuer cette aventure. Le livre, il est disponible en précommande, donc vous pouvez vous le procurer dans votre librairie près de chez vous ou sur internet, auprès de la FLAC, Amazon, leslibraires.com, et je vous mets les liens juste après en description. Il coûte 16,95€, c'est important pour moi que son prix soit le plus accessible possible. Il fait quasiment 200 pages, avec tout en couleurs, en schéma, en illustration pratique, vous aurez de quoi lire. 16,95€, c'est 3 fois moins que le prix d'une consulte de dermato, et sachant qu'il y a 6 mois d'attente, vous gagnerez beaucoup de temps en lisant le livre. Il est aussi fait pour faire gagner du temps à mes collègues médecins, dermatologues, parce que je suis convaincue qu'avec des patients bien informés, impliqués dans leur prise en charge, on est tous beaucoup plus efficaces. Je pense notamment quand je fais une consultation de début d'isotrétinoïne, ça dure souvent 45 minutes le temps de tout expliquer, et moi j'ai trop hâte que les patients aient déjà lu le livre avant, parce que ce sera beaucoup plus agréable pour eux, et pour moi ou pour mes confrères, parce qu'ils auront eu le temps de réfléchir, ils auront des questions, plutôt que je les ensevelisse sous une tonne d'infos nouvelles d'un coup. Donc n'hésitez pas à aller voir le livre sur les liens que je vous mets là-dessous dans la description et posez-moi toutes vos questions sur le livre dans les commentaires. Et si vous voulez que Poupette vous dédicace le livre, il est fort probable qu'on organise des événements, des rencontres dans les mois à venir, maintenant que le Covid semble un peu s'éloigner, touchons du bois. Ce sera un plaisir de vous voir en chair et en os parce que vous êtes ma communauté, vous m'avez fait l'honneur de cliquer sur le petit bouton s'abonner il y a quelques mois ou quelques jours. Vous êtes peut-être là depuis le début, il y a 2 ans, quand vous cherchiez des infos sur la peau pendant le premier confinement. Ou bien vous venez juste d'arriver et vous dites « Tiens, c'est qui cette dermato sur les réseaux ?» Dans tous les cas, je vous dis un grand merci parce que le livre, il est là grâce à vous, à votre soutien, à votre fidélité. Et j'espère qu'il vous plaira. C'est entre vos mains maintenant. Vous n'avez plus qu'à le commander pour l'avoir chez vous le 20 avril. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou un des liens de précommande avec vos proches, vos amis qui pourraient être intéressés. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet de livre, toutes les questions que vous pouvez avoir dessus. Mais c'est pas tout, il y a aussi une deuxième nouvelle dont je suis très fière aussi, c'est la création du site dermatodré.fr où vous retrouverez tous les liens du livre, mais aussi les contenus déjà en ligne sur les différents réseaux sociaux, ma formation pour les professionnels de santé sur le dépistage des cancers cutanés aussi. Je vous mets le lien en description aussi.
Il est super joli, allez faire un tour dessus et vous me dites après en commentaire ce que vous en pensez. Alors à tout de suite, je compte sur vous.